Quatre chiffres pour mieux partager les informations. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont dorénavant leur site commun. Un travail porté pendant 10 mois par les équipes des deux départements. On est plus fort à deux que tout seul. Et chacun profite aussi de l'expérience de l'autre. Et finalement, c'est toujours un ajustement vers le haut et jamais vers le bas. Ce que nous voulons mettre en œuvre, aussi bien à travers la fusion qu'à travers les progrès que nous faisons administrativement, techniquement, dans cette fusion, c'est l'inverse. C'est donc que c'est l'administration qui se met au service de l'usager, au service du citoyen. 9 thématiques, 250 dispositifs accessibles, des parcours types prédéfinis ou des profils, le site s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. C'est l'ensemble des aides et des dispositifs qui sont présentés sur ce site, qui sont regroupés donc en un seul site. C'est l'avantage effectivement de ce projet-là, c'est qu'ils ont toute l'information dont ils souhaitent bénéficier pour constituer leur dossier d'aide en un seul site. Sur la partie route, on a la voirie, les routes départementales, et donc nos usagers vont pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'il y est prévu des travaux sur les routes départementales. Donc ce n'est pas un dispositif en tant que tel, mais c'est une manière d'avoir de l'information. Les démarches peuvent se faire à tout moment de la journée. Le site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.